ñi bëggoon fàttali leen rek ne que structure cadre réew mi mënoon nañu wax wax seen waa ñi ñuy àndal ñëpp ñu cotiser def un don bu rëy indi ko jox ko xale yi. Mais la touche qu'on a voulu amener c'est que la population ñëwal seen bopp indi xéewuñu lu kenn indi moo tax ñu defee ko ni ñu ko defee nii muy javel muy saabu muy amul lu waay indi ñu jël ko wala ne ko population bi ñoo war a approprié wu xeexu jël protection wu xale yi moo tax ngeen gisee ñu defee ko nii. Mais les cadres auraient pu mënoon ñu ko defal seen bopp mais on a voulu vraiment faire participer la population sénégalaise donc on vous remercie. On commence par quelle structure? Donc, association assistance aux enfants de Joël Fadjout. Nous avons pris des mesures déplacées au Bofi dans l'impact de l'organisation de l'Oumelni. SECAR, la cellule des cadres de Réoumi, nous avons pris le thème, nous avons pris l'assistance aux enfants de Yengetou, uniquement pour les enfants déshérités, les enfants orphelins. Di leen jàppale ku ñu woo ci lii dañuy ñëw jàppale leen te di leen ñaanal di leen wax ne lii exemple la ci képp kuy doomu réew mi parce que xale yi ñoom ñoo ñuy yor ëllëg te xale yi da nga koy jox un bon exemple. Le bon exemple mooy partage solidarité jëm fulla fayda ci xam li nga bëgg nga jëm ci donc moo ñu tax SECAR bi ñu invité ñu déplacé wu de Joël Fadjout ba fii ñëw participer ci randonnée bi pour won Sénégal ne Joël Fadjout Dakar Louga Saint Louis ñëpp ko bokk Sénégal Sénégal la doomi réew mi la donc ñu ngi leen di sante ñu ngi leen di gërëm te di rafetlu acte bu mel ni di leen ñaanal ngeen continuer di ko perpétuer annuellement te yàlla di leen ci sutura. Donc assistance aux enfants désormais lépp lu muy organisé ti dinañ leen ci invité pour que ngeen ñëw xam exactement ñoom lan la ñuy def daal jërë ngeen jëf. Am jërëjëf ñu dellu si incha allah. Jërë ngeen jëf merci beaucoup remercier leen aussi président Idrissa Seck de notre part won ko ne li muy def bu ko commencé ci xale yi rek am nañ yaakaar ci loolu jërëjëf. Merci, hein, je représente le village SOS en ma qualité de secrétaire général des villages SOS du Sénégal. Bon, la naissance de SOS, nous avons fêté déjà les 40 ans avec les enfants, c'est depuis 1976. Dieu merci, nous avons été appuyés par l'international et de bons Sénégalais qui jusqu'à présent ont parrainé des enfants. Ce parrainage, c'est pour donner 60 000 francs pour un enfant pendant un an. Et c'est avec ça que le comité directeur a pu organiser vraiment l'étude des enfants. Et aujourd'hui, il y en a qui sont sortis et qui sont mariés, qui sont des ingénieurs, qui sont des enseignants, qui sont à l'université. Et nous continuons toujours, nous venons de créer l'université des sciences de l'université de SOS et qui sera inaugurée en septembre. On aura l'occasion de vous inviter. Ce dont nous va droit au cœur parce que ça s'adresse aux enfants et tout ce qu'on donne aux enfants, vraiment, nous devons remercier. Ah, nous remercions aussi le président Détier qui représente le président Idrissa Seck. Et nous en profitons aussi pour remercier encore Madame Seck qui, jusqu'à présent, contribue dans les villages d'enfants SOS. À chaque fois qu'elle a des visites importantes, nous l'avons reçue au village pour donner des dons, pour donner du lait aux enfants. Donc nous disons encore merci. Merci à tout le monde et que ce geste-là puisse continuer jusqu'à parrainer des enfants des villages d'enfants SOS. Je vous remercie de tout cœur au nom du comité directeur de l'association et des enfants SOS. Nous en avons 5, c'est Dakar, Kaolack, Louga, Ziguinchor et Tambacounda, avec des écoles et des hôpitaux. Merci.